bien, bonsoir à tous, bonjour plutôt. Et aujourd'hui on se retrouve donc sur Limbo. Donc un jeu développé par Playdead et un jeu de Art Jensen, voilà. Donc Limbo, donc c'est un histoire d'un petit bonhomme, d'un petit garçon, je pense, vous allez voir. De 10-12 ans, je pense. Et donc vous pouvez déjà voir que les graphismes, entre guillemets, c'est pas génial. Donc déjà les couleurs c'est noir et blanc. Et c'est en 2D. Voilà. Donc on va attendre gentiment qu'il se lève. Ah voilà, c'est bon. Fallait appuyer sur une touche, mais je sais pas, j'avais appuyé sur une touche et ça ne l'avait pas fait. Bon, bref. Donc, j'espère que la vidéo précédente vous aura plu. Moi, elle m'a vachement plu. J'ai passé un bon bout de temps sur le montage. Et voilà Limbo. Il s'appelle Limbo, apparemment. Donc, c'est un gosse de 12 ans. Donc, ça joue vraiment très simplement. Donc Limbo, c'est l'histoire d'un gosse comme ça, qui se réveille comme ça dans une forêt un peu bizarroïde, et qui, mais en même temps, le gamin, excusez-moi, mais les yeux blancs qu'il a, il est pas très net. Hein. Donc bah écoutez, on va y aller. Hop. Donc c'est un jeu un petit peu avec des énigmes. Donc, en gros, faut survivre le plus longtemps. Enfin, bon, faut survivre. Donc c'est le jeu avec les flèches, donc gauche, droite, flèche du haut, et bas, bon bah il n'y a pas, et c'est CTRL pour interagir avec des objets. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent déjà une petite aide, quand on peut interagir avec des objets, il y a un petit indice, regardez, hop, regardez, on dirait un zombie. Vous avez les mains attrapez objet, hop, il attrape l'objet, et vous le poussez comme ça, voilà, au max. Voilà, et donc vous voyez, c'est un petit peu... des énigmes. Ok, donc là on va descendre. Et on arrive sur une plateforme. Je suis pas allé super loin. C'était juste un petit peu pour voir à quoi ça ressemblait. Tac. Donc là je sais à peu près ce qu'il faut faire. Voilà, donc le gosse de 10 ans arrive à quand même à sauter un truc qui fait 4 fois sa taille. Ok, donc là il y avait un bateau, donc on va sauter dans le bateau, la bombe. Ouais, pouf. Et là on va attendre. On va attendre. Donc la prochaine vidéo sera Battlefield, donc PNT Gaming dans Battlefield Play for Free. Je tiens vraiment à remercier mes 4 abonnés, enfin nos 4 abonnés parce qu'il y a le Toddix, mais pour l'instant il n'est apparu dans aucune des vidéos. Et aussi les 125 vues en quelques minutes, donc il fallait prendre le bateau, donc en une heure je crois, grâce à Zacharty, donc je le remercie. Il y aura le lien de sa chaîne dans la description puisqu'il a fait un peu de pub, et grâce à lui on a gagné quelques abonnés. Et surtout, on a gagné vraiment 125 vues en à peine une heure. Donc, je suis vraiment heureux. Pourquoi j'ai fait ça, voilà. Donc, on peut mourir dans le jeu. On peut mourir... Tac, hop. Donc, c'est un singe, le gosse. Pourquoi ça fait ça? Donc, on peut mourir donc quand on tombe. Et aussi par des pièges, puisque la base du jeu, c'est des énigmes. Voilà, donc là j'ai sûrement crevé. Voilà, je suis mort. C'est la triste fin de... Il faut reprendre le truc de Limbo, ouais. J'ai oublié le nom. Voilà. Donc... En avant, en avant, en avant. Tac. Voilà, on y va. Voilà. Que vous dire de plus, voilà. Ok, vas-y, saute, très bien.
Ok, donc voilà, donc là j'ai toujours donc en gros en fait le but du jeu donc c'est de d'avancer dans la forêt sans se faire piéger, parce qu'il y a plein de pièges comme ici, voilà, donc ici vous avez les flèches qui vous montrent le piège, donc c'est deux pièges à ours. Et donc voilà, donc là en fait on remarque qu'on peut en déplacer un, voilà, tac, on saute par-dessus celui-ci, on saute par-dessus l'autre, et voilà. Et donc la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai regardé les lucioles en avançant et je me suis fait tuer. Ok, donc là il y a une corde, donc on va essayer. Tac. Et là on remarque qu'il y a un piège à ours. Écoutez, on va le prendre, on va le déplacer. Ici. Voilà. Et je me suis lamentablement raté. Et voilà ce que ça fait quand on meurt. Voilà, donc on va le déplacer sans pour autant se faire sans pour autant se faire déchiqueter. Voilà, tac, on saute dessus. Voilà. Et ça nous permet d'arriver sur la cette plateforme. Voilà. Donc alors à partir d'ici, je m'étais arrêté, donc bah écoute, on va faire ça ensemble les amis. On va sûrement mourir plus d'une fois. Allumer un petit peu en même temps à la vitesse où j'y vais, hop. Oh là là, oh my god, oh. Oh la chance. Pff, la chance que j'ai eu quand même, c'est... Vous avez les pièges quand même. J'étais pas du tout au courant qu'il y allait avoir ça. Donc on sait vraiment jamais. Et alors, donc je sais pas si vous avez regardé, mais pour moi, pour regarder un petit peu, j'ai regardé un épisode de jeuxvideo.com. Et en fait... Il disait ça sent pas bon. Il disait en fait que il n'y avait jamais deux fois les mêmes énigmes, donc c'est passé. Alors là apparemment, faut-il faire? Alors attendez, on va voir. Ouais, ok, donc bah, écoutez, ah, je suis mort. Ouais, je suis mort. Ok, donc là je pense que ça va pas être si difficile que ça, faut le pousser, pousser à ce qu'il touche plus la rive. Hop, on monte dessus et on va essayer de pas tomber. Oh là, voilà, hop, voilà. Et je suis mort. Repos. Nous sommes ici en ce jour pour célébrer, pardon, excusez-moi, erreur de ma part. Nous sommes ici aujourd'hui pour la mort de Limbo. Limbo, jeune enfant âgé de 10 ans qui est mort dans la forêt. Je ne sais pas comment, mais ne me demandez pas. Merci Limbo d'être mort au champ d'honneur pour ta patrie. Au revoir. Excusez-moi, je dois y aller. Ma femme a fait du bruit. Bon, très bien. Bon, bah écoutez, hein. On va essayer quand même de. Donc c'est un let's play. Donc, hop. Donc c'est un let's play, donc c'est le premier, donc bah écoutez, je pense qu'on va mourir plus d'une fois ici. Je sais pas ce qu'il faut faire. On va le problème du jeu, c'est vraiment que c'est un petit peu long quand on meurt. Donc bah, on va bien le pousser, voilà, comme ça. Alors, on est dessus. Je sais pas ce qu'il faut faire. Allons-y. Saute, gamin. Saute. Voilà. Ok, donc. Hop, vas-y, allez. Essaie de pas crever. Voilà.
Non mais que fait-il? C'est de pas mourir. Oh là là. Ah, j'ai compris. Oh là là, oh c'est la galère. Je pense qu'il faut le pousser. Mais dans l'eau en fait. Alors, faut pas se mettre dessus parce que il revient à chaque fois. Hein, c'est bien, on va rester ici plus d'une heure, je pense. Allez, pousse-le. Et dès qu'il a plus pied, bah. Ok, très bien. En avant. Oh là là. Non. Oh là là, catastrophe. Allez, Michel, monte dessus. Non. Bon, écoutez, ellipse, et je vais voir un petit peu comment faut faire. À tout de suite. Mais voici, donc en fait, j'étais sûr qu'il y avait un truc avec la petite corde là que vous voyez au-dessus. Donc voilà, donc en fait faut aller prendre la caisse et l'amener au pied de la corde. Fallait pas foncer dans le tas comme moi. À l'avant. Bon bah écoutez, ce que je propose c'est que ce qu'on parle un petit peu des graphismes de ce jeu. Bon, donc déjà au niveau des couleurs, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est noir et blanc, donc c'est très simple hein, déjà. C'est du 2D, donc voilà, mais en fait ça change des GTA, des Call of, voilà, donc c'est vraiment bien parce que en fait c'est quand même fait en 2D, mais c'est bien fait. Allez, tac, voilà, ok, tac, on essaie de pas tomber, ce serait un petit peu bête de mourir maintenant. Non, pas là, descend, descend. Non mais tu vois là, oh là là. C'est quand même Tarzan le mec, c'est hop là, on va le pousser, là il va dériver avec nous si tu veux bien. Oh non Michel, ah voilà. Et voilà le petit bateau. Oh, dès qu'on avance, il recule. Ouais, allez. Tac, ce serait vraiment bête de mourir. Allez, vas-y. Fonce. Tac. Oui. Bravo. Bravo. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Ouais. Vraiment. Je vous aime, public. Ok, donc je pense qu'on va mourir lamentablement. Oh là. Oh là là. Je vois parce qu'il y a le. En haut là, il y a le piège à ours. Oh bordel! J'ai peur! J'ai peur! Oh là là, mais c'est quoi cette araignée de malade? Je viens à MPM, madame. Oh. J'ai vraiment très peur là, je vous jure. Oh là là. Ça vous dérange pas si je vous agrippe une patte? Oh. Oh la vache. Oh là là. Et vous pouvez pas savoir, mais j'ai un petit peu eu peur quand il y a. Oh regardez-moi, elle veut me chatouiller. Oh là là. Elle est malade, hein. Elle est malade. Elle est folle. Regarde, genre. On fonce. Et regarde. Viens, 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 viens. J'ai les cookies pour toi, viens. Viens. Tac. On y va. Attaque. Ouf. Je suis mort. Sans doute. Même pas. Allez, Michel. Non, Michel, tu peux t'embrocher. Bon, c'est trop tard.
Dégage, voilà. Hop. Très bien. Bon bah écoutez, donc on arrive là. Oh papillon. Donc je pense qu'il doit y avoir un truc avec ça. Alors écoutez. Alors on va retourner sur nos pas. Voir s'il n'y a pas un truc à prendre. Alors en plus le. Il y a vraiment tout au fond le bout de bois. Comment faire? On a écouté, je pense que on va s'arrêter là. Donc j'espère que le premier let's play vous aura plu. Donc c'est Let's Play Limbo. Donc hop, c'est sur Steam. Viens, 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 j'ai des cookies. Viens, viens. Ah, attendez. Peut-être genre viens, tac. Plante ton truc. Là, elle monte. Non, Michel. Ouais, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais regarder un petit peu ce qu'il faut faire. Oh, regardez. Ah, j'ai compris. Allez, viens là. On va lui mettre ça dans sa petite patte sympatoche qu'elle veut. Là. Sans se faire tuer, ce serait pas mal. Bon bah écoutez, donc j'ai compris. Donc bah écoutez, hop, génial. Donc on fait celui-ci et je vous laisse. Et on se retrouvera donc pour l'épisode 2 de Limbo. Voilà. Tac, tiens, viens là ma cocotte. De justesse. Ah, c'est bête, hein. Ah, c'est bête. Ah, c'est bête. Oh. Oh, elle a mal, la petite, hein, elle a mal. Oh, là. Là, elle m'a embroché, par contre. Ah là là. On y va. Alors, attendez, parce que je regarde en même temps. Voilà, donc en avant. En avant, on va lui couper ses pattes, celle-là. Vous réussissez celui-ci et je vous laisse pour le premier let's play de Limbo. Là. Ah, et la petite dernière. Ouf. Viens là. Elle est pas marrante, sérieusement, cette araignée. Cette araignée géante. Viens là. De justesse, de justesse. Oh bon sang. Elle est partie là? Ouais, elle a dû partir. Et voilà. Et bien, vous avez vu? Bon, allez. Donc, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Pour l'épisode 2 de Battlefield Play for Free. Et prenez soin de vous, à bientôt, chers amis. Au revoir.